Il aime bien l'Afrique, ce Mais mec. attends, mais là, il y a un truc que je comprends pas. Le titre de la vidéo, attends, je bouge ta caméra pour la montrer. C'est Loris Amitié Homme-Femme, il est à Dakar. Mais je me dis, mais attends, mais les Sénégalais, on va leur demander l'amitié homme-femme. Ils vont dire, mais quelle amitié homme-femme, voilà. Mais Mais c'est quelle parce qu'il amitié sait, homme-femme. gros, il va tomber à Châtelet, il va tomber sur des punks à chien, des mecs avec des Ouais, couleurs tout le monde va roses, dire oui, et ils c'est vont lui lui. dire oui, bah oui, c'est normal. Regarde lui Ah, ce tonton là, mais regarde-moi ce quel tonton. rien. Lui il va dire quoi? Il va dire les femmes c'est que pour être marié. Lui se regarde, Sans capter. il sait qu'il va avoir des réactions qui vont faire Allez, comme celle-là, merci Marie, à merci pour le lui. sub. Et merci, Merci Naps, pour les aussi. 5 mois. Putain. Radio, attends, je vais baisser un peu les caméras, je pense. Désolé si je bégaye, pardon, smahli. Putain. Attends, montre ton t-shirt, c'est quoi ce t-shirt de merde? Bah alors pour la peine je demande pas, mais ça. C'est quoi cette phrase de fou là? Pardon, frère. Mais montre Despi. Ah, c'est un vrai t-shirt de merde, hein. Mais sérieux, toi, va te faire enculer, frère. Ah, après, ça doit tu dors avec. Ça doit tu dors avec, voilà. Allez, c'est parti. C'est parti pour le react. Ah, mais je suis ouf. Pourquoi tu me dis pas qu'il faut que je te partage l'écran? Tu fais pas react ou quoi? Ah ouais, ciao. On va reperdre 100 ans. Ah non, t'inquiète. Je sais faire. Tu me prends pour qui? T'as vu, en vrai de vrai, j'ai fait vite le truc de la caméra. Oh! Ça a changé. Mais tu sais qu'avec les cheveux longs, je suis trop horrible, frère. Enfin, avec les cheveux lâchés, là, je suis trop horrible, frère. Bah, je ressemble à toi, frère. Comment ça, moi? Ah, de dire Je horrible et tu ressemble. dis je me ressens, tu me ressembles. T'es un ouf J'ai ou quoi? vraiment une coupe de chevalier, frère. Vas-y, montre. C'est moi. Ah, ça tue, frère. Ça tue, qu'est-ce que t'as? T'as des gros Mais bras, c'est moi hein? quand je fais ça, frère. Je suis gêné, frère. T'as des bras, hein? Mais si, les mecs, là, tu me dis là. Voilà, j'ai vraiment la Coupadora pour le coup. J'avais t'as eu la Coupadora. Je l'ai vu, les Egypt. T'as vu une Juste pour la peine, Xi, là? je suis gêné là. Je suis gêné à cause de ça, frère. Eh non, t'inquiète, c'est bon, on est parti sur l'amitié homme-femme. Putain. J'espère que Hamza. Hamza, t'as vu, moi, je te souhaite que du bonheur dans ta vie. Mais niveau femme, pas de. Mais niveau femme, pas de ouf. À part pour celle que tu marieras, j'espère que tu. Merci de nous pour le sub. J'espère que tu n'auras pas des belles histoires de ouf. Genre, tu vois, je sais pas si t'as capté. Attends, déjà merci pour le sub, Noh, merci mon veuf. Merci. Quoi? Mais t'as capté en mode. En mode, genre, imagine, tu rencontres une meuf là demain. Tu penses que ça se passe Ouais. bien, genre, t'es bien amoureux, mais tu vas pas la marier. Genre, Ouais. tu vas sûrement pas la parce que vas-y, tu vois, tu vas pas la marier. Mais bah, je serais pas triste pour toi, genre, si elle te lâche et que tu sois tout triste et que tu pleures et que tu. Tu vois, ça me ferait Et rire ou je dirais bien fait, genre. alors c'est ta vidéo, sale gros sadique. Parce que je vais être en train de pleurer, en train de dire ah, m'a quitté, tu vas être content, sale enfoiré. Bon. Ah, c'est rien, frère, en vrai de vrai. Mais sinon, mis à part ça, je te que du bonheur. Mais en tout cas, je te souhaite jamais, en tout cas, pour en C'est à venir vous. à toi, que je te souhaite jamais une meuf qui dit ouais, ah, tu veux pas que j'ai un pote mec? Et bah, ok, c'est parce que t'as une petite bite alors. Ou alors, c'est parce que t'es insécure, comme elle aime bien le dire. C'est bon, je vais lancer là. Oh. Ah ouais, mon frère. Vous êtes doux, vous? C'est à vous, voilà. Putain, il s'est fait 2 h 50 live, frère, ils peuvent pas attendre 10 secondes. Ok, je pense pas, le chat, on fait comment maintenant? Lance, lance, Zebi, lance. Vas-y, on fait comment maintenant? Non, c'est pas de live. C'est bon, je lance. Comment vous Ciao. vous appelez, vous? Pape Ibrahim. Ibrahim? Oui. Moi, Loris. Loris. Enchanté. Enchanté. C'est bon? Non. Non, non, reste. Ah bon? voilà, attends. C'est bon le son ou pas? Attends, demande notre chat. Je suis trop mort, frère. Ah, Loris, il a vu, il Pourquoi? avait du buzz chez les Renoirs, il fait que aller là-bas. Hein. Oui, c'est bon, ok, c'est bon. Ah, mais il était vraiment drôle, ça veut, hein. Ça veut dire que ça commence bien, hein. Moi, Ciao. j'ai Vous trouvé. appelez-vous? Ouais, Pape c'est un pote. Ibrahim. Ibrahim? Oui. Moi, Loris. Loris. Enchanté. Enchanté, hein. C'est bon? Non. C'est C'est vrai, le Renault, Non, reste. il Ah a des bon? caméras à micro, il pense que c'est juste ça, frère. Ah là là, les bledos. C'est bon, Aujourd'hui, on Despi. parle de l'amitié homme-femme. Entre femmes. L'amitié homme-femme. L'amitié homme-femme. Est-ce que tu y Ouais. crois? Je crois un peu, mais si c'était à des pourcentages, je croirais à
Combien de pourcents? 20%. 20, ah ouais, pas plus. Ouais. Moi, je crois à ça. Parce que moi, j'ai des amis. Homme et, un homme, je ne suis, il n'est pas mon fiancé. Je le prends comme mon frère. C'est vrai? Bien sûr. Il n'y a pas d'ambiguïté ou quoi? Non, 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 non. C'est ça le problème, c'était là. Même... La vie, elle avait jamais dit ça s'il n'y avait pas les caméras. Non, 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 non. T'as vu, la tata, ça se voit vraiment. Genre, tu vois, les gens, ça se voit, ils la respectent. Et elle aussi, elle les respecte. Comme elle a dit, pas d'ambiguïté. Mais on les connaît, les. On les connaît, les Mélanie 39 ans de la comptabilité, frère. Comment c'est des. Ah, ouais. Bah oui. Parce que là, tu sais déjà, t'es mal à Haja, frère. T'es mal, elle aspire le respect de ouf, ma gueule. C'est sûr que. Ah, bah oui. Alors que toi, ta copine touche, dit que l'a trouvé parce que t'as eu du buzz sur les réseaux sociaux récemment, frère. T'inquiète pas que s'il y a des mecs qui sont potes avec elle, c'est pas pour eux, bref. Même père et de même mère. Ton mari, il est pas jaloux? Non, non, non. Il te laisse avoir des copains de garçon. Mon mari, il est un homme exceptionnel dans tout le monde. Mon mari ne parle pas. T'es amoureuse, hein? Ah, mais bien sûr. Toi, t'as des copines. Oh, mon rêve, voilà. T'es juste amie. Oh, je suis jaloux. Mais j'ai une mère amie. Ah, t'as une mère amie? Ouais. Bah voilà. Et il se passe rien avec elle. Ça se voit, il veut la brancher. Ah, on ne sait jamais. T'as raté? C'est honnête. Vous voyez les filles dans le chat, vous pensez que vous avez des amis, mec? Si vous trouvez un minimum belle, la vie, c'est comme ça, frère. C'est comme ça. Y a pas de. Il peut avoir d'autres amis. Allez demander à vos potes gars là. Si Hassoul, s'il peut avoir un truc, vous allez voir les réponses. S'il y a de l'amitié ou quoi. J'aimerais bien faire le test avec une amie fille, mais j'en ai pas là. Donc désolé. J'en ai pas non plus, le frère. Je suis désolé, voilà. Seul avec elle. Oui, il peut se passer à un moment donné, ouais. Ouais, je suis excité. Oui. Tu vois. T'es excité là? Non. Ok, merci. J'ai été marié, j'ai divorcé avec ma femme. Ok. Que j'ai pas courtisé, comme on le dit. Ça veut dire quoi, courtiser? Non. Je ne suis pas sorti avec elle. On me l'a présenté en me disant, bon, c'est ma nièce qui me l'a présenté. Ah, c'est un mariage arrangé? Hmm? C'est un mariage arrangé? Non, c'est pas arrangé. C'est ma nièce qui me l'a proposé. Okay, la mariage, j'ai dit non. C'est parce qu'en ce moment-là, j'avais un problème avec une autre femme que je voulais épouser. Ça... Donc, je n'en voulais pas. Okay. Donc, en une semaine, bon, raisonnement. On a causé. Je lui ai dit, bon, moi, je ne veux pas jouer avec toi. Okay. Tu veux qu'on, si tu veux, on se marie tel. J'ai fixé une date. Elle m'a dit, mais quoi? Tu l'as très pressé? Je lui ai dit, non. J'ai plus le temps de jouer. Au cache-cache. Tu l'as rencontré où? Ici. C'est vrai? Il habite ici, j'habite ici. C'est lui qui t'a dragué? Ah, mais bien sûr. Comment ça s'est passé? Ah, Merci, Wesley. À moi? Un. Pourquoi? Dédette. Moi, je crois qu'elle dit pas, c'est nous, Fenn. Attends, c'est quoi? À moi? Ça s'est passé? Ah, Dédette. Je te dis pas ça. À moi? Un. Pourquoi? Dédette. Elle a raison, Fenn. C'est ça, les vrais pommes, Fenn. Quand tu es devenu une amie à moi. Ouais. Merci Wesley. Forcément, je vais essayer de te draguer quoi. Ah ouais, tout le temps. J'ai beau essayer, mais ça marche pas quoi. D'être ami? T'arrives pas. J'arrive pas. Non mais si elle te plaît pas. Ça c'est vraiment vrai. Si tu te plaît pas. Alors moi. Déjà moi, tu sais. Quand tu m'enchantes pas, je vais même pas te connaître quoi. De quoi? Les mots que tu utilises. Enchanté frère. Ouais. Ah ouais? C'est de moi tu parles pas. Sérieux, les gars me connaissent quoi. Quand tu me je parle pas quoi. Bon, je veux te saluer quoi. Alors quoi, n'agadez rien bien moi. Mais bon, pour avoir une vache avec moi, il faut que tu sois au top quoi. Ah ouais. Il est con lui ou pas? Merci Wesley, trop gentil mon frère. Merci Wesley encore. La deuxième aussi, je l'ai épousé par téléphone. Par téléphone? Mais lui c'est un bon gars lui, il sait comment ça marche la concurrence. Il veut une femme qu'il aime en ce moment. Il parle, mais si, tu vois, il laisse la salle qu'on lui a présentée de côté, comme ça, si ça marche pas avec l'autre, il a un point de chance, t'as capté. Mariage par téléphone, c'est un truc de ouf, hein. Bah, c'est comme ça, le frère. C'est comme ça. Tu connais une meuf, et mes gros, par contre, ça, c'est une phrase de ouf, hein, ce que je veux dire. C'est vraiment les fins fonds d'Internet, hein. Les fins fonds des obscurités de l'Internet, hein. Il y a une meuf que, enfin, c'est ce que je connais pas, mais genre, c'est une histoire que j'ai vue, que j'ai lue, ouais. Tout qu'on m'a raconté. Une petite convertie, mais vraiment la blanche de la fin fond de la campagne. Carrément, je ne sais pas si je peux le dire parce que ça peut nous mettre dans la merde. Vas-y, dis-la. Une Française du fin fond de la campagne, une vraie habitante de la diagonale du vide. Je sais pas comment elle s'est convertie à l'islam et elle s'est mariée avec un mec en Syrie sur Skype. J'ai dit, oh là là, l'histoire de fou malade. Quand on m'a raconté cette histoire, j'ai dit putain, il a dû péter un câble daron, mon frère. Toute ta vie t'éduques une fille, une petite princesse, pour qu'elle se marie sur Skype avec un enculé
De Sawariji, mon frère. Oh lolo. Attends, c'était un Français en Syrie ou alors c'était un vrai Syrien par ça? C'était un gros terroriste, ma gueule. Il est mort, il est mort, il est mort. Il est mort, elle l'a pris aux informations, frère. Et elle a commencé à pleurer, elle a dit jamais plus le voir et tout. Mais encore, t'as pas pu le voir. T'es moi, tu te maries dans quelles conditions, ma soeur? Elle m'a fait trop de la peine, Miskina, frère. Que là, t'as fait de la peine, frère. Vas-y, voilà. Désolé, Non, mais frérot, gros, ça se trouve être mais amoureuse, à un frère. moment, frère. Désolé. Bon, c'est vrai, c'est dur d'avoir. Frérot, j'ai de la peine, moi. Ça me fait de la peine, Miskina, c'est marié sur Skype. Ça se trouve, c'est maquillé et tout. Voilà, c'est trop mignon, frère. Ça se C'est trouve, pas t'es content mignon, dans la c'est pas caméra. mignon, c'est pas mignon, toi, on va te faire foutre, gros. Dans la caméra, elle a fait ça, Zarma, là. Elle a léché la caméra pour se faire belle. Miskina, voilà. Arrête de dire Miskina, frère, trop conne. Ça se trouve, elle a inversé la caméra pour avoir bossé. Eh, gros, chier, Ah, hein, ça me fait de ça la fait mal, peine. frère. C'est sûr qu'elle a fait. Putain. Ça se voit, avant de lancer l'appel, elle a mouillé. Je vais comment faire avant de lancer un live? Allez, c'est parti. Oh, putain. Regarde. Et là, t'as pas de cœur, Samy, hein. Pourquoi? Et gros, t'es une meuf, Miskina, elle s'est fait, je sais pas, gros, elle est tombée amoureuse, frère. Comme tout le monde peut tomber amoureux, ma gueule. Et frère, elle est tombée amoureuse d'un mec qui est en série sur Skype, frère. J'ai quand même trouvé ça mignon. Justement, parce que. Justement, frère, tu sais que c'est une meuf fragile qui se manipulait, Miskina, ça se trouve. Gros, c'est ça qui fait de la peine, Et justement. bah, Une tant femme mieux, forte, bah, à part tant se mieux, manipuler. ça c'est fini, frère, ça c'est fini. Comme ça, elle est plus manipulée. On va Ah, pas se vas-y, battre pour mets ta elle. vidéo, C'est mieux ça me pour sent le elle. cœur, quoi. Donc, c'est une amie qui m'a. Je disais à une amie, bon, s'il te plaît, bon, donne-moi une femme qui loge dans votre région, tu vois. Elle me dit non, pourtant j'ai une amie, je lui passe moi au téléphone. Elle m'a passé au téléphone, on a causé, je me suis déplacé, je l'ai Non, épousée. c'est une blague. Dieu m'a témoin. Sans même la voir? Sans la connaître? Sans la connaître, je te dis. Vous m'avez parlé. Depuis sans collègue, j'étais en train de parler. Oui. Et encore, j'ai pas pris mon petit déjeuner. Ah, ben viens, on va petit déjeuner ensemble. Viens, on le prend ensemble. On le prend ensemble, le petit Où déjeuner. ça? Là où tu veux. Non, parce qu'actuellement, Pourquoi? ici, il n'y a personne. Mais Parce que c'est pas ma soeur, grave. ma petite soeur, c'est elle qui appartient, Alors, le savon. dis-moi où je vais prendre le petit déjeuner, on va le prendre ensemble. Tu veux prendre quoi? Dis-moi. Tu veux quoi? Goyave? Ça, c'est Goyave. Tu préfères? Oui, je pense Allez, que c'est comme Goyave. c'est ton petit déjeuner. Ah, ok, merci. Il fait ça. Et vous, vous Il va s'en trouver prenez chez pas? lui et tout, On il est peut trop. le boire à deux ou Il c'est est tout pour toi? chez À la lui, maison, il y a la ils plaine ouais. maçonnée. Ah, Nignari, Kai, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, on prend un autre truc encore? Bien sûr. Tu payes les deux? Très bien. T'es pas gêné, toi? Qui, moi? Jusqu'à présent, j'ai pas pris mon petit déjeuner. Non, je dis, t'es pas gêné. Non? Ça te gêne pas que je prenne tout ça, quoi? Non, non. Non, t'inquiète. Ça fait combien de temps que t'es avec? Ça fait maintenant 6 ans. D'accord. Je me suis déplacé, je suis allé. Vous l'aviez même pas vu en photo ni rien? Je l'ai jamais vu en photo, Mais si ça vous plaisait pas quand vous arrivez? Mais même si ça me plaît pas, c'est une question d'honneur, c'est une question de parole. Je me suis déplacé, il fallait que je le fasse. Et puis machin. Les gars, c'est normal qu'il est grave à l'aise. C'est une. T'as dit quoi? C'est elle. C'est normal qu'il est grave à l'aise, les gars. Et je vous jure, tout ce qui est africain, et je parle pour le Maghreb comme pour le. Comme pour l'Afrique du Sud, l'Afrique Sud, l'Afrique Nord, l'Afrique Ouest, l'Afrique, tout. Et tout ce qui est africain. Et dès qu'on voit des caméras, des micros, on est tout émoustillé, ma gueule. T'as une fois monté au Maroc, à Marrakech, à Jamaa el Fna. Une fois, il y avait une. Tu vois les meufs sur France 3 qui présentent les villes du pays, Ouais, du je monde et vois, t'as tout. l'assaut machin chouette là. Ouais, voilà, t'as compris, La comme ça. métisse, ouais. Et gros, une fois, il y avait. Et comme ça, bref, la meuf, elle est avec son micro, sa caméra, et elle présente la place centrale de Marrakech en mode. Et mon grand-père, je te jure, il est resté au moins 20 minutes derrière elle, frère. Comme ça, il bougeait pas. Et alors qu'on devait faire des trucs et tout, on était occupés. Eh hey, gros, elle est tout ce qui est africain, dès qu'on voit des caméras, des micros, on est émoustillé, on est tout gentil. C'est ça qui est à l'aise, ma gueule. En tout cas, vraie histoire, les gars. Si un jour vous allez à Alger, vous prenez une vidéo, genre en mode vous filmez tout, vous allez voir comment ils vont être gentils avec vous. Jusqu'à avec vous, c'est sûr qu'ils vont vous inviter à manger chez Ah eux. oui, frère. Tout Bah oui, pour en plus, les mains. les caméras, cousin. C'est ça, frère. Surtout nous les Marocains, on est connus Zarma pour l'hospitalité, on va vouloir le prouver encore plus devant les caméras. On va faire vas-y, viens chez moi. Mais nous, les Algériens, vu qu'on est connus pour foutre la merde, on veut montrer que c'est l'inverse. Du coup, on va vous inviter. Ils vont être trop gentils avec vous. Ils vont vous accueillir comme des rois, les frères. Bah oui. Allez, c'est parti. Pendant ce temps, personne, Hamza parle à la même sur 5 différents réseaux. Petit mat pour lui parler. C'est quoi ce spam de con, là? Bref, femme. Allez, on y Allez, va. qui a envoyé cette Moi, chez toi, rumeur, là. là? Ici, j'habite là. Mais y a ton mari ou pas? Mon mari est en train de dormir. Oh! Je Il va me voir dans le salon comme ça? Ça risque Non, rien? non. Sont détente, hein. C'était quoi les Ils premiers sont mots au si téléphone que compulsifs, vous quoi. êtes dit pour que ça marche? Non. Je lui ai demandé son nom, elle m'en a parlé. J'ai dit, bon, c'est elle qui m'a donné ton numéro. J'aimerais bien t'épouser parce que j'ai un enfant.
Et j'aimerais que je cherche une mère pour elle, pas une maman, parce qu'elle a déjà une maman. C'est la table? La bière, c'est... Tu veux que je t'aide? Non, non, c'est pas la même. Ok. Comment savoir si c'est une galère, ah, comment elle parle et tout. On a fait une belle rencontre, hein? Ouais, ouais. Ah, c'est comme un Kabyle qui parle français, tu le reconnais directement, genre. Dès que la soirée Alpha, oui, je vais préparer à mon mari son petit déjeuner. Ah, tu m'as fait payer le petit déjeuner pour ton mari? Non. Si. Tu as amené le petit déjeuner pour moi et toi? Oui. Mon mari, il n'a pas offert son petit déjeuner? Oui. Tu ne peux pas l'offrir un seul? Bien sûr, avec plaisir, avec plaisir. Ah, ok. Avec plaisir. Okay. C'est pour ça que consommer, tu vas lui donner un petit déjeuner? Tu vas lui dire quoi? Que c'est toi qui a... Non, non. Qui a fait les courses et tout? Non, 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 non. Je ne veux pas lui dire. Je dis que c'est ton nouvel ami. Je vais lui dire que c'est mon nouvel ami qui m'a acheté ça. Allez, bonne chance, hein. Bonne nouvelle au réveil. Toi, t'as pas d'enfant. T'es aussi au bled. Non. T'es comme eux là. T'es aussi au bled. Il y a grave de la famille tout le temps, partout. Enfin, dans ta maison. Genre, dans sa maison, il y a grave du monde. Mais gros, moi, t'as vu, moi, j'ai pas de maison à moi, tu vois. Je vois pas, je vois la maison de mes grands-parents. Sauf que mes grands-parents, en fait, je les ai jamais connus. C'est-à-dire, c'est une maison pour tout le monde. C'est pour toute la famille. Genre, chaque pince, il a une. Chaque pince et chaque pied, elle a une chambre. La maison, elle est grande, hein. Quand je te dis qu'il y a 50%, la moitié des gens qui sont dans la maison, je les connais pas. Et c'est toujours des gueules différentes, juste pour te dire. Même moi, là. Les femmes, elles viennent, surtout les femmes, frère. Les femmes, elles viennent comme ça. Les femmes du village, elles viennent comme ça. Elles marchent. Elles marchent, elles rentrent comme si c'était chez elles, frère. Gros, mais moi, c'est pour ça, des fois, tu sais, au bled, là, c'est vraiment une phase de se maigrir. Mais frère, des fois, ça nous arrivait, on prenait l'hôtel alors que dans la même ville là où on était, ou là, une heure, on prenait l'hôtel, frère. Il y a trop de gens chez moi, frère. Il y a une daronne, frère. Il y a une daronne, elle ressemble à Casemiro. Elle me dit, je suis ta tante. Non, je te connais pas, laisse-moi. En plus, ça va me faire la bise et tout. Il y a trop de gens chez mes grands-parents, frère. Maman, c'est pareil. C'est chez mes grands-parents. Il y a trop d'humains, frère. Une fois, je demandais à un mec, t'es qui? Il m'a dit, je suis là que pour aider, frère. Rentre chez toi, Zepi. Il est pas de ma famille, frère. Allez, traitez-moi de faux. C'est halal, c'est convivial. Frère, moi, j'aime bien avoir mon intimité, ouais, ma gueule. Ouais, j'aime bien mon intimité, avait, frère. Dans un hôtel, il y avait piscine, il y avait. T'es le roi des francs. En plus, dans les baraques, tu sais pas pourquoi des fois il y a des maisons, elles ont pas de porte, ma gueule. Tu dors, tu te changes, y'a pas de porte. Ah, vas-y, mon intimité, ma gueule. Le roi des. Moi, ça a des Akitos chez moi. Oh là, t'as pas l'air sûr. T'as eu des enfants? Ouais, tu vois. Pourquoi t'as hésité? T'as peut-être des enfants. Non, j'ai pas d'enfant. T'as pas l'air sûr. Franchement, la réponse, elle est pas certaine. Hein. Non, franchement, mais comment tu veux pas savoir si t'as des enfants ou pas? C'est une déguise. T'as des enfants ou t'as pas d'enfants? C'est pas comme ça. Non, dis-moi. Moi, c'est sûr et certain, j'en ai pas. Voilà, c'est sûr et certain. Y'a aucun doute. J'adore rencontrer des nouvelles personnes comme ça. Mais tu rentres ce soir? Ouais, je rentre ce soir. Mais je peux rester. Si tu veux que je reste avec toi, je reste. Reste pourquoi? Hein? Là-bas, tu ne travailles pas? Si, je travaille en France, moi. Mais pourquoi tu veux rester ici? Bah, pour toi. Non, non, il faut aller travailler. Toi, t'es pas très attaché, hein? Non. Toi, t'y crois, à l'amitié homme-femme? Ah, bien sûr, j'y crois. Moi, j'ai des amis depuis. Ah, ouais. Avec qui se passe rien? Il se passe rien. Parfois, on fait des choses même, bon, que je peux dire que, bon, qu'un couple... C'est personne. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire... Espèce de petit bâtard de merde. Lui, c'est un Sénégal, new generation, ma gueule. Regarde comment il est classe, élégant, lunettes, il parle bien. Lunettes, il parle plus que la casquette. Eh, mais attends, mais là je suis pas sûr. Ramenez-nous les tontons de Dakar qui vont dire amitié homme-femme, ça existe pas là. Voilà, ramenez-nous à Manjak, bien énervé. Hein. Que je peux dire que, bah, qu'un couple normal. Ramenez-nous un peu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, bon. T'es un bâtard, toi, t'enlèves ta caméra, tu dis c'est pas pour ça. Déjà qu'il m'a bloqué sur Twitter là, il va croire, on déteste sa mère. Mais gros, moi, je l'aime bien, voilà, Acosta, il m'a bloqué sur Twitter, espèce d'enfoiré, tu fais que le citer, frère. Ben, moi aussi, je l'aime bien, pas de ça. Allez, bâtard, Loris, elle est plus de fois en Sénégal que lui. Oh putain, enculé. T'as ta caméra ou pas? J'arrivais pas à l'enlever, je savais pas faire, c'est bon.
Ah bah Moi, je l'aime bien. Je l'aime bien. C'est ce avec moi, je suis rapace. J'ai un petit farceur. Voilà, je l'aime bien. Juste au cas où pour les gens qui savent pas ou je sais pas quoi, et ben là, vous moi aussi voyez je une l'aime bien. embrouille. Juste que Moi. Samy, il l'aime vraiment pas, les mecs, par contre. Non, je l'aime bien aussi. Mais juste que Arrête, tu c'est l'aimes une bien, personne qui l'aime. tu fais que le citer, Mais frère. alors, frère, c'est qu'il aime bien châtier bien, frère. Ok. En tout cas, par ça, tu lui ramènes la plus belle des Sénégalaises, le premier qui la prend pas pour une Coréenne, frère. Et c'est ça le problème. Qu'est-ce que t'en sais? Qu'est-ce que t'en sais? Arrête de parler. Mets la vidéo, mets la vidéo, mets la vidéo, mets la Moi, vidéo. je sais pourquoi. Parce que, frère, ce mec, il aime trop, frère, il est trop attaché à un nouveau pays où il est, frère. Il aime tout ce qui vient de là-bas. Tu penses qu'il veut autre chose qu'une Coréenne? Jamais, frère. Il ramène même pas de mandjak ou je sais pas quoi. Ah ouais, parle-lui que en. Tu lui parles que en K-pop, hein. Encore une bien skinny, bien refaite. Allez, salut. Salam. Ah, s'il vous plaît, ne lui montrez pas. Hein. Hamza, t'es là? Ça va, frère? Là, Hamza? Ouais. Imagine un jour, ça ressort lui. Est-ce que tu te rappelles le jour où on a fait une radio? Et j'avais mis une pépé de Papson et je disais de la dinguerie. Ça veut dire que t'as ramené que Ouais. j'entends de ouf en fait mon truc avec lui. Heureusement, c'est pour ça que je dis que tu l'aimes pas, toi, pour de vrai. Nous, moi, je rigole. Toi, tu l'aimes vraiment pas, sale Bah moi raciste. aussi j'ai rigolé ce soir-là. En tout Bon, allez, cas. s'il te plaît, on met la vidéo. Vas-y, j'espère qu'il tombera jamais sur la vidéo. On s'allonge, on parle, mais ça passe rien quoi. On s'allonge quelque part, Tu t'allonges où? discuter, on se dit des secrets et tout ça. Mais tu t'allonges où? Ah, parfois dans une chambre, mais ça passe rien, Avec tes parfois. amis, tu mets dans une chambre? Bien sûr. Ah Ah oui, oui, mais mais t'as bizarre, sorti toute la juste un vaisselle pour menteur, nous là, mais mais quand ça me même. gêne. Ça te gêne comment? Bah beaucoup. Pourquoi? Bah parce que je voulais pas te déranger, moi. Ça, Non, mais c'est pas c'est grave. sûr? Nous, on a l'habitude, si Ah ok. quelqu'un vient ici chez nous le matin, si on fait le petit déjeuner, Vous sortez, ouais. ouais, on sort notre Ok. bagage au lieu d'aller ailleurs. Alors je veux la vaisselle en argent, s'il vous plaît. Non. T'inquiète. C'était une blague, ami. Hein. T'aimes pas trop mes blagues, hein? Oh, le regard. Ami, Oui. Hein? t'aimes pas trop mes Oui. blagues? Ah, bien sûr. Ah, ok. Elle aime pas trop mes blagues, Amina. Wesh! Mais c'est banni Twitch, ça. T'as pas peur de ça? Ça rentre pas, ça? Wesh! Wesh! Voilà, c'est quoi ça, frère? Oh putain, attendez, je contrôle pas. Ah, c'est bon. C'est quoi ce Mais kit c'est. 2, wesh? Mais c'est quoi ce mec, frère? Mais c'est quoi cette vidéo, Wesh! frère? Frère, l'a Je goûté! préfère. Non, c'est rien. Le français ne fait pas C'est quoi ce. chose Mais mal, voilà, fait j'ai. chose. Mais voilà, je suis choqué. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce marabout là qui arrive pas à se crever là avec une machette? Mais pourquoi il fait ça, frère? Et pourquoi personne m'a dit dans le. C'est pas possible, dans le chat, personne n'a vu cette vidéo, Attends, frère? attends! Regarde s'il le fait. Si... Attends, je crois qu'il fait une technique. Je crois qu'il fait Zarma de pousser, mais en fait, il est. Ah, il pousse, hein? Je crois qu'il pousse contre son torse, en fait, c'est ça. Ah, ça me dégoûte! Il pousse. En plus, après, il goûte. Attends. Je veux savoir comment il fait pour de vrai, frère. Imaginons que je prends une règle. Parce que j'ai une règle. Normalement, je suis un étudiant. Normalement, je suis encore à l'école. J'ai une règle à disposition. Non, j'ai pas de règle. Bon, vas-y, nique sa mère. Non, je te promets, il pousse, parce que regarde, t'as vu comment c'est sorti de ta peau là? T'as vu là ou pas? Tu vois l'écran, t'as vu comment c'est sorti de sa peau quand je m'y pose? Vas-y, remets, s'il te plaît. Ah, mais j'ai galère de ouf, frère, regarde. Regarde. Tu vois comment l'épée elle sort de sa peau, frère. Mais gros, Frère, c'est même sûr s'il qu'il poussait a. contre C'est lui, ça sûr. aurait coupé. Ça aurait coupé un Oh. minimum. Ah, Et je tes sais mains. pas, frère. Mais gros, mais c'est quoi ce mec? Mais. Heureusement qu'il vit pas en France, ce mec. Je refuse qu'il. J'ai l'impression quoi. Eh, Mais tiens, qu'il vienne jamais en France, ce mec, hein. Qu'il vienne jamais en France, hein. je te rappelle le petit béninois qui avait mis son corps plein de sable et ensuite il essayait de se couper, il n'arrivait pas. Ouais. Bah, tu vois, après, c'est dans ce pays-là, il maîtrise le mou. Mais t'es mal, mais regarde ses épaules, frère. On peut s'asseoir dessus, frère. On peut s'asseoir, t'es mal. Ouais, Il c'est est vrai, mais gavé ça donne. comme une poubelle municipale, frère. Je sais pas, c'est trop dangereux là-bas. Ça me rappelle, j'ai un pote, il est parti au Sénégal, il donnait aucune nouvelle de lui. Mais vraiment, pendant 2 mois, il donnait aucune nouvelle. Ça dit, il est arrivé au Sénégal, il a dit, il ne met pas les marabouts, il a fini de transformer en mulot, en souris. Waouh, pendant 3 mois, pas de nouvelles, cousin. Allons, continue. Il me goûte, c'est trop d'attentat, Il y a besoin de le faire. Non, c'est rien. Le français ne fait pas une chose mal ou bien une chose. Quoi? Tu sais? Ah bon? Nous, on est comme ça. Mais faire quoi? Je sais pas quoi dire. Tu sais pas quoi dire? Non. Mais pourquoi tu me prends mon arme?
Bah non, c'est pas un arbre. Bah c'est mon couteau quoi. Non, c'est pas un couteau. C'est quoi? C'est un djassé. Comment ça s'appelle? Djassé. Djassé, ça sert à quoi? C'est un molof quoi, c'est une machette en molof. C'est une machette? Oui. Et c'est pour couper quoi? C'est pour couper la tête des moutons. Ah oui, quand même. Oh, mais wesh! Ah, je peux montrer ou pas? Mais c'est quoi ce bordel, frère? Mais c'est qui ce connard là? Mais c'est quoi ce mec, Gabu là? Et gabé comme une. Wesh! Y'a rien, c'est une vidéo YouTube, t'inquiète. Ah, ça me dégoûte ça! Eh gros, j'aurais trop peur d'être dans le même sort que lui, frère. Mais t'es mort! T'es mort! Wow. C'est la preuve que ça marche! Je te jure qu'il le fait pour de vrai, regarde! Il a la grisaille, il a les traces de grisaille. Genre, c'est comme. T'as un Renault, je suis pas de crème, on te fait ça, y'a un truc là, ça se voit qu'il a essayé de couper, frère. T'es mal à la trace de grisaille. C'est qu'il y a vraiment des pots comme ça, frère, pour de vrai, frère. Ce gros Renault sans crème là, t'es mal à la trace de grisaille, c'est-à-dire qu'il coupe pour de vrai, c'est même pas du. Parce qu'on pourrait croire qu'en mode. Qu'en mode, j'y prends un truc et genre, il force comme ça, mais genre sans truquer. Mais là, t'es mal à la trace de grisaille. Mais gros, imagine, frère, imagine, tu te retrouves dans l'ascenseur avec ce mec, frère. Je me pisse dessus. T'as dit, il est noir parce qu'il a le hacké de l'armement. Ah ouais, t'es des racistes. Personne n'a dit ça, dans le chat. Personne n'a dit ça? T'as juste dit avec de l'armement. Samy fait croire que c'est un mec dans le chat qui a dit ça pour faire semblant raciste. Oh lolo. Ouais, t'es pas raciste, t'es bon, ouais. Oh là là, putain. On n'aurait jamais dû regarder cette vidéo, frère. Le bouton, il suit tout seul. Il est grave compact, frère. Mais tu mets du lait. Hein? Tu mets du lait ou bien... C'est le bâtard, t'as fait au lait, ouais. T'as fait au lait. Dans le chat, j'ai un mec qui a dit de Lukaku Boost. Voilà, je suis mort. Non, j'ai ramené ça. On m'a dit de goûter ça. Chakri. Ah, chakri. C'est bon ou pas? C'est bon. C'est quoi? Ça, c'est du mil. Du? Mil. C'est quoi, du mil? Tu connais pas le mil? Non. Ah, ça a l'air pas mal. Ça a l'air bon, ça. Qu'est-ce qu'il y a? Elle est pas chez nous, toi, elle. Mais quoi, elle est saoulée comme ça, la fin jour. Là-bas, dans la blouse. Oui. Il y a du mil là-bas. Ok, bah je savais pas. Tu connais le maïs? Ouais, bah quand même, ami, ça va. Là, franchement, mon respect. Mais pourquoi tu ne connais pas le mil? Mais je sais pas, on n'a pas ça en France, si. On a du mil en France, Guigui. Le mil, on fait ça ici. C'est quoi le mil? Ah, ben voilà, c'est pour ça que je connais pas. De ouf. Arrête, on va pas okay. Connaître. Je l'ai. Ça, c'est du lait caillé. Mais c'est ça, c'est quoi le lait caillé? Ah, c'est le lait caillé. C'est du lait caillé, ce qu'il me dit. C'était sûr que t'as un truc genre du Ben ou quelque chose comme ça. Je sais que ça. C'est un truc de pas le maïs. Je sais pas, frère. Ça, c'est du lait. Tu veux du lait? Ouais, du lait, oui. Je préfère le lait. Tiens. Mais je ne mange pas maintenant. Ah, tu le gardes pour demain? Non. Ce soir. Ce soir, d'accord. Moi, je suis plus là ce soir. Hein. Je suis parti. Hein. Ce soir, tu bois du lait quotidiennement, ça marche. Si tu veux que je reste. Hein? Non, il faut que tu partes. Bois du lait quotidiennement? Merci. Ouais, avec mes céréales quand même. Et toi? Ok, parce qu'une fois, bah, tu vois, c'est qui Imène? Celle qui a fait le Discord. Une fois, elle m'a dit faut pas boire du lait, elle m'a matrixé à cause d'elle. Ouais, c'est vrai. Check, dis-toi que les lobbies de. Oh putain, je crois, on peut même pas dire ça tellement ils sont puissants, frère. C'est les plus puissants, gros, les lobbies du lait. Parce que dis-toi qu'ils arrivent à faire croire dans les pubs et tout que c'est bon pour la santé alors que c'est mauvais en réalité. En fait, c'est bon pour les bébés, mais après, c'est pas bon après. Parce qu'on m'a dit que c'est pas bon pour nous, le pour de vrai, en mode vraiment, c'était prouvé et tout. Genre, faut pas en abuser, t'as vu. Mais je sais pas pourquoi. Ok, bah moi, en tout cas, les céréales sans lait, bizarre, frère. Ouais, bizarre, frère. Mais c'est une dinguerie quand même qu'on voit toujours ces pubs là qui disent ouais, faut boire du lait, les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Alors qu'en réalité, c'est un peu dangereux. Ah, gros, ils sont forts. Hein. Ouais, ils sont forts, hein. Franchement, le lobby, c'est pas des lols. Hein. Allez, on continue. Mais du coup, est-ce que le truc là, le lait caillé qu'ils ont, c'est pas le truc qui s'appelle dengue? Un dengue, si je dis, ça fait trop raciste comment je parle. Pourquoi? Ouais, je savais, frère, arrêtez avec le racisme pour tout n'importe quoi. Non, parce que en fait, quand je dis un dengue, on dirait j'imite un accent alors que c'est faux. Oui, c'est ça. Mais tu sais, je connais pas toutes les facettes. Par exemple, tu vois, il y a le lait fermenté, ça fait le ben. Mais le lait caillé, c'est quoi en arabe? Genre, c'est ce que c'est pareil, le lait fermenté, les cailloux ou pas? Je crois que c'est presque pareil. Hein. Attends, le ben, comment c'est fait, frère? Tu sais que. Bah, le lait, c'est quoi? On met dans un bol et on laisse faire, frère. Je sais pas, de toute façon, c'est dégueulasse, frère. Et toutes les formes de lait qui sont pas du lait et des céréales, là, c'est dégueulasse. Non? C'est bon, le ben, frère. Arrête, frère. T'aimes bien l'ARN? Non, j'ai. T'aimes pas? Non. Mais encore pire, je crois que le pire truc du monde. Mais voilà, toi, tu me dis que c'est moi qui ai un palais de Berman. T'aimes pas le ben, t'aimes pas le. Mais le ben, c'est dégueulasse, frère. Tu sais, toi, par exemple, tu vois ton couscous, c'est ce que tu mélanges avec du ben?
Non, moi j'aime bien le couscous normal, j'aime pas le manger. Mais genre, ça te dérangerait de mélanger du lben avec du couscous? Là, c'est encore pire, ça Bah. veut dire que le lben, tu le prends comme ça, genre, en tant que verre, en tant que boisson. Mais quand tu dis mélanger, c'est genre je prends le couscous, je mets dans le bun ou bien je mange couscous et en Non, même temps je bois le bun. je sais pas, ah, vous pas ça, vous? Genre, en gros, mettre, pour moi, le lben, ça se Si, mange il y en même. a. Il y en a, ils mélangent les deux, mais moi ce que je fais, je tape le couscous, mais avec mon truc. Je bois le bun, ça m'a comme si je buvais du Ah, coca bah ou de l'eau. ça c'est encore pire, tu vois, ça prouve que t'as. Parce que t'as vu, il y a des mecs, ils arrivent à supporter le bun parce qu'ils le mélangent avec des trucs. Mais si toi tu le bois juste en buvant comme ça, c'est que t'as vraiment un palais de con, toi. T'as un palais de fou, toi. T'as un palais de Après, dragon, toi. T'as le le bun, palais c'est un de. petit goût acidulé, j'aime trop tout ce qui est acide, donc ouais. Par contre, pour Non, moi, mais. taper le bun, genre, tu sais, en mode, genre, acheter du bun de soi-même, de l'acheter, de le boire comme un fou tout seul sans rien, c'est un truc de psychopathe, ma gueule. Pas C'est un truc vraiment de trop un truc de psychopathe. darblé. Je sais pas, bois du Schweppes, frère, ça semble normal, mec. Mais moi, un jour, j'ai vu mon père boire un verre d'huile d'olive, mais un petit verre. Hein. Et je suis où là? Ah, les darons, c'est nul. Les darons, il y a que quand t'es daron que tu peux faire. Tu sais, c'est quoi les trucs que tu peux faire quand t'es daron? C'est quoi? Boire de l'huile d'olive comme ça dans un verre. Sinon, tu vois les fruits. Par exemple, tu vois une banane. Tu peux la manger directement. Les darons, ils aiment bien Ouais. prendre la banane et couper en morceaux comme ça. Et genre, avec le couteau, ils prennent le petit morceau dans le. Je sais pas si t'as Dans capté. la... Ouais, j'ai compté, j'ai compté. C'est qui t'a mort de manger comme ça? C'est vrai que Trop pourquoi les mignon darons ils font ça? quand... C'est trop mignon quand ta grand-mère elle arrive avec une petite assiette, elle épluche la pomme, elle la coupe en morceaux, elle te donne des petits morceaux dans la bouche. Alors t'as 20 ans et là, elle arrive de nulle part avec son gros doigt tout fripé qui a subi des trucs de ouf. Ah, Elle met désolé. dans ta bouche comme ça. Ah, désolé, j'ai pas de grand-parents. C'est le mec qui casse l'ambiance pour rien. Ah putain, je suis mort. Hey, ça va, lui? Alors, parce que je viens de faire là, c'est vraiment un truc de mec relou, Je suis désolé. voilà. C'est beau, reviens, je rigole. Tu Enfin, sais qu'une fois, je rigole pas, c'est vrai, mais je rigole quand même. une fois, tu sais que, mais quand je te dis que ce gars-là, c'est presque mon meilleur pote de baiser. Hein. Ah C'est oui, trois casser de les couilles. mes meilleurs gars. Mais là, bon, c'est pas la même chose. C'est pas un truc de mort. Une fois, je disais quoi? En fait, il y avait un mec qui est passé et il nous demande l'heure. Mais genre, Ouais. il fait comme ça. C'est pas un craquette, c'est pas un psychopathe. Il demande juste, les gars, vous avez l'heure? Et il fait comme ça, genre, en montrant sa doigt, son poignet. Et on le vannait. Moi et mon pote, on le vannait quand on est parti, genre une fois qu'on le voyait plus. Et Ouais. moi, j'ai dit quoi? J'ai dit, ça se voit, ses parents, ils sont cousins. Après, il m'a dit, ben, y a quoi avec tes parents cousins? Mes parents aussi sont cousins. Et une de ces gènes, ma Ah gueule. le bat, ah je suis mort. J'étais pas bien, frère. Je savais même pas que ses parents étaient cousins, ma gueule. Ah le tu sais quoi le pire truc c'est quand t'arrives tu fais une blague comme ça tu te moques d'un daron et ensuite la personne elle dit ouais mais il est mort. Une fois sur Twitter il y a une meuf, elle racontait qu'il y avait un mec qui embêtait elle et sa petite sœur en leur envoyant des messages, il a changé plusieurs fois de numéro de téléphone, mais il continuait. Genre à chaque fois il retrouvait le Ouais. numéro de téléphone, il faisait une blague. Et j'ai pensé, je dis, ton daron il a l'air de bien s'amuser, hein. Et là je reçois un DM. Ouais tu devrais éviter parce que en fait mon père il est mort. Oh là là, ça arrive qu'à moi, frère. Des trucs comme ça casse les couilles. T'es le seul à faire ça, frère. T'es le seul, ma gueule. Comment je suis le seul, frère? C'est normal, gros. C'est un mec, c'est normal, ça doit être son daron qui lui fait la blague. Enfin, ça l'est pas du coup, mais c'est normal, c'est logique que ça soit lui. Non? Bah, franchement, je me sentais mal. Après, tu t'excuses. Ça me l'a même fait avec un chat, frère. Un jour, j'ai dit, putain, mais ton chat, c'est vraiment un gros porc. Et j'ai mis une photo du chat de mon pote, un truc sur Twitter. Après, il m'a dit, ah, mais frère, là, il est mort le chat. Ah non, c'est une meuf en fait. Voilà, il n'y a que toi qui fais ça. Bon, on continue. On va manger au après-midi. Ah, si tu veux, on va manger chez moi. C'est vrai? Tu es la bienvenue. T'as vu quand il y a les caméras, t'as vu tout le Combien temps chez ça? toi, Le frère. Sénégal, c'est comme ça. Nous? Même on ne te connaît pas, tu viens là, tu manges. Et qui fait manger? Seul Tu pays viens, tu manges. dans le monde entier que tu viens, on ne te connaît pas, tu manges. C'est C'est pas au le seul. Sénégal. C'est pas le seul. Allez, On y va, gratuit, pour gratuit. voir. Ah, ça m'intéresse, ça. Allez, là, il va d'accord. T'as quel âge, toi? Moi, je suis née le 9-10-36, mois d'octobre. 56 ans? Pourquoi tu Tu fais plus parles jeune, hein? de moi? Tu fais plus jeune. Ouais, je fais plus jeune parce que j'ai fait le foot. Le 66 foot? foot? Ouais. T'as joué au foot? J'ai joué au foot. Tu faisais Avant de quoi? me marier, C'est vrai? j'étais. Ouais, j'étais défensive. Non, J'ai mais joué t'étais quoi? défensive. T'étais pro? Hein? J'étais pro? Non, j'étais pas pro parce que mon père ne voulait pas que je. Donc j'étais sur les petits. Mais tu jouais quel poste? Milieu terrain. C'est vrai? Ouais. Mais tu sais que moi j'aime beaucoup le foot, hein? Ouais. Trois sucres, tu mets? Mais gros, mais à chaque fois, ils tombent sur des profils atypiques. À quel moment tu Ouais. tombes sur une grosse daronne sénégalaise qui faisait du foot, frère? C'est... Mais j'arrive pas à comprendre. Non, ça va, elle était skinny, mais. Putain, je parlais de ça comme ça. Non, elle était pas grosse, mais attends, il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi on te dit, ouais, on te dit, tu fais jeune? On me dit, c'est parce que je fais du foot. C'est quoi cette réponse-là? Bah, après, quand t'es sportif, en mode, ton corps, il est bien entretenu, frère.
J'avoue, mais elle a déjà avant de me marrer, c'est un entendu ouf. Ah ouais. Ouais. Elle est bâtard, ça dit, elle est plus forte quand même. Elle est plus forte quand même, toi. C'est un bâtard, plus forte que... plus fort que toi, toi aussi, frère. Bon. Ouais, moi ouais, un diabète, hein. Fais attention quand même. Mais avant, je fais. Avant. Là, t'as jeté je par prenais... terre, mais c'est chez toi. Hein. Ouais, c'est chez moi. Du coup, à la fin, tu vas le ramasser. Hein. Tu vois. Avant. Mauvaise idée. T'es droitière ou gauchère? Je mets tous les deux. Ah ouais? C'est même t'es Maradona en fait. Même mon frère. Mais gros, si y a une balle chez eux, c'est qu'elle veut vraiment encore, frère. Ouais, ouais. D'accord. Tu peux prendre un ballon comme ça, si tu le vois, tu dis que c'est... il va tirer sur ce pied-là, parce qu'il est là comme ça. Ouais. Mais si il est. Oh là, elle a foutu la claquette dans les piments là. Allemand, elle a. Bah, elle fait, bon, attends. Et. Ouais, mais c'est quoi, le coup, c'est de frapper fort dessus là. Allemand, frère. Ah, allemand. Mais c'est pas mal, hein. J'aurais kiffé avoir une mère qui joue au foot comme ça. Bah, c'est incroyable. Parce qu'elle va jongler. Non, mais toi, et on va rentrer en France, on va faire une coloc. Ouais, on aurait dû se rencontrer avant. Là, c'est le jour du départ, c'est pas bien. Mais c'était la prochaine. Je reviendrai. Mais on envoie une virgule. Ici. Il y a des non, appartements à louer. Non, mais tu peux m'accueillir chez toi quand même. Il y a des appartements ici à louer. Non, mais je peux dormir ici. Où? Ici, chez toi. Mais ici, il n'y a pas de chambre. Parce que toutes les chambres qui sont là sont occupées. Oui, mais je dors avec ton mari. Tu dors avec mon mari. Moi, je vais dormir où? Tu loues une chambre. Ah! Ça, c'est grave. En plus, ses réactions. Elle est très forte au foot. Hein. Elle est très forte au foot. Hein. C'est incroyable ça. Ouais, tu sais que t'as une sœur en or, toi. Qu'est-ce comme ça. Parce que tu ne peux pas, t'as rien faire. Qu'est-ce qu'elle me regarde, ma chère. Dis-lui que tu l'aimes. Je l'aime. Ah, non, dis-lui, je t'aime. Ah, ouais, je t'aime. Regarde comment elle me regarde, ma chère. Voilà. Voilà, un petit peu de sensibilité. Je t'aime, elle sont excitées devant les caméras, frère. Ah ouais. Elle habite où? Elle habite avec moi. Elle fait quoi dans la vie? Lui, elle est dans un salon de beauté. Ah ouais? Oui. Esthéticienne. Voilà, c'est ça. Incroyable. Putain, je vais la Mal, trois anciens là. Elle est mariée? Non. Pas... Mais lui, attends, lui, je suis presque sûr qu'il est sur cette pote parce qu'il voit la caméra. C'est marré comment il fait le mec de ouf. Moi, je dirais les mecs qui prennent leur photo à la une là. Ah, c'est la Wesh TV, si on serait sénégalais, ma gueule. Si on s'appelait Waïb, on s'appelait. Waïba. Moi, je m'appelais Mouktar. Oh, non, je t'appellerais Salou. Et le Mouktar, H, ce serait quoi le H? C'est nul, Salou. Ah ouais, ils font un prénom S. Ah, bah oui, S. Salou. Okay, bah, Salou. H. Sadio. Sadio. Ouais, Sadio, si tu veux. W, ça pourrait être quoi? W. Mais qu'est-ce qu'ils ont la classe, comme ils sont posés? T'es mal daron avec sa tenue. À la... Ouais, qu'est-ce qu'ils ont trop la classe? Posés comme des anciens. À l'ombre. Eh, désolé, hein. Mais je sais pas pourquoi j'allais chanter en train de me demander, il s'appelle comment, Babson? Hamedo. Hamad. Ouais, parfait, ça. Et pour le W? Ah, t'as écrit Wakanda, bande de bâtards. Ça n'a rien à voir avec l'Afrique, le Wakanda, frère. Peut-être pas un pire, on lui fait un... Et t'es ouf, le Ronax assimilé au Wakanda, frère. Pire, on lui fait un prénom français, et Wahid, il serait appelé William, parce que ce serait un manja qui serait chrétien. Et voilà. Hop, problème réglé. Wande. C'est un mec qui a dit Wilfried. Wally. Madame, je vais vous la donner. Comme... C'est vrai? Ah, mais... Tu me donnes ta fille? Ah, mais y a non. Toi, hein. Incroyable. Ouais, tu vois? Ouais, c'est envie de me marier ma fille avec le premier français que la ville. C'est bon? Ah ouais, j'adore. Tu sais, j'adore vraiment. Moi, j'aime trop bouffer, ami. Je te jure, t'aimes bien manger, toi? Mais dans la vie, il faut manger. Ah ouais. Mais moi, je mange trop. Ouais. Voilà, c'est un moment. C'est ta femme actuelle, ça? Ouais, je suis d'accord, c'est couvert, là. Elle est jolie aussi, on a trois filles, un garçon. T'es une belle femme, non? Ouais, ça va, mine. Mes enfants sont très jolis. C'est vrai, hein? Pourtant, t'es pas ouf, hein? Hein? Toi, t'es pas magnifique. Voilà, ouais, c'est ouf. Comme quoi, les mélanges. Ils sont gentils, ma gueule. Ah, mais c'est vrai, un petit bâtard, lui, voilà. C'est comme vous, quoi. Il y a les blancs, les noirs. C'est un melting pot, quoi. Comment ok. Venir, quoi. Toi, t'aimes bien les blanches? Hein? Ouais. Moi, j'aime tous les races. Ouais. Multirace, quoi. J'aime tous les races, quoi. Américaine, t'aimes bien américaine? Qui n'aime pas? Amérique du Sud, t'aimes bien Amérique du Sud? T'aimes bien américaine, Martin, c'est tout au hasard, frère. Brésilienne? Toi, tu connais les points. Tu veux dire j'aime les Américaines alors que c'est tout et rien là-bas, frère. De quoi, les Américaines, ouais, j'avoue, mais en fait, ça ressemble à quelque chose. C'est juste que c'est des folles. Ouais, américaine, tu peux être une métisse, une renoie, une blonde, une blanche, une... Américaine, ça... Tu peux dire encore... En vrai, pour aucun... En vrai, il n'y a plus de pays où tu peux dire vraiment une. Si.
À part les pays asiatiques où vraiment tu reconnais la différence. Mais genre, Théo, même au Maroc, frère, les Marocaines, elles peuvent être blanches, rousses, blondes. En Si, Algérie, pareil, frère. genre dans des certains pays, elles se ressemblent peut-être, quoi. Vas-y, comme. Le Sri Lanka. Suède, Ouais, les pays scandinaves, c'est vrai c'est que vrai que les Scandinaves, elles sont toutes blondes. pour être allé en Islande, le cliché de la blonde blanche de peau blonde, c'est trop, c'est trop, c'est Mais le elles sont belles ou pire. pas les blondes là-bas? Non, frérot, en Islande, il fait moins 3 degrés, tout le monde est sous cache-cou, ma gueule, tu dois juste des cheveux blonds, frère. Ah ouais, carré, voilà. En tout cas, non, c'est un truc de ouf, les Islandaises, comment elles se ressemblent toutes, c'est un truc de malade. Et pas que les Islandaises, hein, même les Islandais, frère. Merci pour le sub, Farah. Merci pour ça, Bafa. Il y a un mec qui a dit les brésiliennes, alors c'est ça le pire, brésilienne c'est aussi encore un gros mélange, ma gueule, Un ça peu peut être n'importe quoi. brésilienne. Ouais, bah, brésilienne, tu peux être blanche, tu peux être noire, tu peux être tout, frère. Tu peux tout, possible. Franchement, vas-y. Pardon, noir. Toi, qui n'aime pas? Amérique du Sud, t'aimes bien Amérique du Sud? Colombienne, ça t'aime bien ça? Ouais, il a rien qui Brésilienne? commence, ça, oui. Toi, Regarde comment il sourit. tu connais les points chauds. Tu manges cru, toi. Ah ouais? Vraiment la Y'a moyen d'avoir une transition. petite boisson? On croit à Dis-moi un l'aise, mais petit dis truc. s'il te plaît. Dis s'il te Ouais, un plaît. petit truc possible. C'est une Dis s'il blague te comme plaît, une frère, s'il te cuisine. plaît, merci. Désolé. Hein. Voilà, il rentre chez les gens, il mange, Mais tu il sais, vient j'ai pas vu une s'il te vidéo, plaît. il... j'ai vu une vidéo, il a. En mode, Karichi fait quoi? Il va voir un mec dans la rue, mais genre, il le questionne pas, il le regarde juste. Il y a Redjata, je te reconnais, tu fais les mecs de vidéo, mais Loris, il lui parle pas. Et genre, il fait que le tuer, Mais. mais genre, il le tue dans ton dos. Après, voilà, le gars, il est rentré chez lui, Loris, il est rentré aussi. Ils ont joué à FIFA et tout, et Loris, il est reparti, il est resté 4 heures avec lui, il a pas dit un seul mot, frère. Là, Un j'arrive pas à croire que harceleur, c'est ce bien. mec. C'est pas Hein? scénarisé, Clary. C'est pas scénarisé, juste il avait un mec comme ça dans la rue, il a fait que le coller, il parlait pas. Ah, dans le sud, exactement, c'était à Nice. C'est une dinguerie, c'est un harceleur, cousin. Parce que le mec, il le suivait, il dit, ouais, c'est bon, arrête. Il l'arrêtait pas, gros. Salut Merci. François. Bah non, mais ne me François. dis pas ça, vous allez le regretter. Hein. Hein? Vous allez le regretter de me dire ça à moi. Non, Parce que vraiment, non, pas du tout. ça va? Ça va, En forme. Tu veux un petit croissant? Non, merci. Comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Moussa. Moussa. C'est qui Moussa? C'est mon frère. C'est ton frère aussi? Nous sommes de même père et de même mère. Ah ouais? Mais t'es plus jeune qu'elle. Quel âge t'as? Je suis plus âgé qu'elle, que lui. 43 ans, ouais. Mais je suis plus âgé que. Bah ouais. Ah. J'avais vu, hein. Ah, ok. Je Ok. suis plus âgé que. Elle a deux femmes. Elle a deux femmes. T'as deux femmes, toi? Et t'es marié? Je suis pas encore marié. T'as une meuf, là? Ah, mais en fait, c'est T'as pas des moi, meufs, là? je suis pas un homme, là. Et toi, t'es la seule femme de ton C'est mari? pas. Ouais, de où? Il a une seule femme. Non. Toi, tu veux pas? Mais en Italie, il avait un enfant là-bas, avant que nous soyons Avant de te connaître? Ouais. Et toi, tu serais contre qu'il ait deux femmes ou tu t'en fous? Je suis pas contre. Moi qui me gère comme la façon dont tout le monde gère sa femme. En fait. Oh Et avec les non! moyens. Marielle, c'est. C'est quoi ce voix-là, là? Bah, elle a dit un vrai truc. T'inquiète, on... mais pas pause, c'est pas pause, t'inquiète, on nous entend. Je... Non, mais là, j'avais envie de lancer le débat de plusieurs femmes. Vous êtes en train de dire, Moussa! Les gars, soyez honnêtes, vous êtes juste des petits connards. Eh, vous êtes des petits connards, vous. Hein. Vous n'arriverez pas, je pense pas. Vous pourrez pas. Vous êtes pas capable de traiter deux femmes de la même manière chacune. Voilà, comme ça, Moi, je c'est pourrais, dit. moi, je pourrais pas, frère. Bien sûr que tu pourras pas. Encore, je sais que tu pourras pas. J'arrive même pas à me gérer. Moi-même, The Beast, je T'as gère pas deux besoin femmes, de c'est un dire. faux, frère. Bah, gère une femme, d'ailleurs. Bah, déjà, laisse-moi gérer une femme d'abord, s'il te plaît. Vas-y, gère une femme. Pas parce que tu as envie de prendre trois femmes ou quatre femmes. Il faut les savoir gérer. C'est mieux. Mettre Parce que. trois femmes ou quatre femmes et tu ne peux pas les gérer, nourrir, loger, ça ne fait pas de bon pour moi. Après, tu fais trois mariages. C'est possible ça? C'est possible. Ah oui? Yeah, Et du coup, tu invites l'autre femme à l'autre, à le mariage de l'autre ou non, pas? non, 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 ça, non, elle ne se rencontre pas. Ok. Ça va quoi? Tu vas lui, Non, c'est un putain de pas merde. là, il faut être franc quoi. Toi, t'es franc pas, toi? pas, Et là, pour la fête, lui. T'as pas vraiment que je suis Il y a une, Hein? il y a deux femmes en mode Si, si, t'es bien franc. carré et Ouais, l'autre, c'est si, la direct, planète, t'es c'est deux, trois femmes. facile. Je suis franc. Bah, t'es franc, toi. Ah ouais. Ah. Stylé. Beau gosse. Ah bah, il parle. Wow. C'est qui ta femme préférée des deux? Tu préfères laquelle? Je sais pas. Dis-moi, dis-moi. Ah, moi, je sais pas. C'est qui ta préférée? Parce que. Ta préférée? Il. Dis-moi qui tu préfères. Là-bas, qu'elle est. La deuxième. La deuxième? Ouais. Pourquoi? Elle est gentille. Plus gentille que la première? Elle nous aime tous. Et la première? La première aussi, la même chose. J'aime bien les Ah? histoires comme ça. Monnaie? Oui? La daronne, elle est directement entrée dans le piège de randonnée, frère.
Et la deuxième, c'est dingue, les femmes. Surtout qu'elles sont mariées. T'es oublié. Gros, les darons, elles sont obligées de radoter. Attends, elle fait que bouger. Hein. Attends, et toi, tu bouges pas. Et 3 les ans. Toi, tu bouges pas assez, par contre. Samy, c'est le mec qui crée une polémique. Ouais, un peu ah, il est trop à l'aise avec les Renault, lui, c'est bizarre. Hein. Il donne des ordres et tout. Il se repose, lui. Oui. Le mec, il veut créer une polémique sur Loris. C'est un rebelle, lui. Mais qu'est-ce qu'il fait la nuit? Avec? Avec les nanas? Ah, il est chaud, lui. Je suis jeune. C'est vrai? T'as quel âge? 52 ans. 52 ans, tu es jeune? Ouais. Va falloir se poser à un moment donné. Ah, est-ce que mais t'es marié, toi, ou pas? Est-ce que tu me donnes mon âge? Ah non, t'as moi. Voilà. Non, mais t'es marié ou pas? Ah, on sait que c'est négatif. Et tu vois, vraiment, ils prennent vraiment plus jeune. Mais c'est connu chez eux, de toute façon, la longévité qu'ils ont. Non, mais j'ai mal au ventre, là. Mais les hommes. Non, t'as pas mal au ventre. Je te jure. Tu blagues. Non, c'est pas mal. Ah, je te jure, j'ai trop bouffé. Tu vois, les hommes mangent plus que les femmes. Ouais, je pense. T'as remarqué ça? Merci ouais. Pour l'info, tata. Ouais, comme une. Et t'as pas de copine? Ça, c'est de l'info, ça. Bon, copine attitrée, oui, je pourrais dire que j'en ai. Ouais. Tu pourrais dire où tu l'as? Où... Je. J'en ai. T'en as combien? Bon, je pourrais pas. Deux, un truc comme ça. Ah, pas deux, mais dis-moi dans l'oreille. Mais il me tue. J'ai jamais un mec qui l'a dit, ouais, j'ai une femme, c'est tout. Une copine attitrée, c'est pas tu kiffes, toi, voilà. Toi, tu kiffes. Une copine attitrée. En fait, pourquoi? On est sur table. Ouais, t'as raison. On est là pour ça aussi, hein. Carrément. Il a quel âge, du coup? 52 ans. Non, je voulais. Ah, ouais, non, c'est une dinguerie, frère. C'est quoi? C'est que t'as pas trouvé de femme? Bon, je dirais pas que j'ai pas trop. Ou t'as pas cherché? J'ai pas trop cherché. J'étais trop. Mais frère, regarde, il est encore frère à 52 ans, ce bâtard. Il a la classe, ça. Beaucoup dans l'art. Vous travaillez dans l'art? Ouais. Il a 25 ans. Ouais. C'est grave, mec. Mais là, vous vivez ici, là? Je vis ici. Vous dormez ici? Ouais. Tous les soirs. C'est un château. C'est vrai? Ça fait combien de temps? Vingtaine d'années. Tu vois, c'est ça le problème de Loris. Vingtaine d'années. C'est vrai qu'il allait le chercher, lui. Incroyable. Ouais, ouais. Il fallait qu'il trouve un psychopathe. Il fait quoi? Il voit un SD, il va voir. Non, il a quoi? Non, si, on va rentrer. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a? Montre-moi. Putain, toi, tu kiffes, hein. Il kiffe, lui, hein. Incroyable. Que des rafles. Que des rafles. Ça va, Sora Florel. C'est Sora Florel, ce frérot. C'est bon, chapeau. Moi, j'ai vu que. Allez, attends, 45 ans, lui. Chapé tous les jours, gna, c'est bien. Beau gosse, hein? Mais comme t'as dit, c'est vrai, il est parti le chercher, lui. Ah ouais, frère, c'est un gros escroc, le mec. Il voit TSD, ouais, c'est bien, dehors, il va voir direct. C'est bien mixé. C'est le Nasdaq propre, la classe. Soignez votre mère? Tac, bac de voix, c'est vraiment ce qu'on peut, c'est pour jurer. Pour bien. Ah, on le fait aussi, nous aussi. Pour jurer que de que. Je suis la vie de ma mère. La vie de ma mère. C'est beau, c'est super. La vie de ma mère, t'es un beau gosse. Si on veut, c'est rétro. C'est? C'est un costume rétro. Non, c'est un costume moderne. Ouais, rétro, c'est rétro candide. Non, c'est moderne. Non, c'est super. Ouais, t'as rien à voir avec l'amitié homme-femme, là. Ouais, et tout ça. Ah, ouais, voilà, rien à voir, voilà. C'est moi, ils m'ont vu cette tenue, cette enfoiré. Mais on dirait une boutique un peu. Mais regarde, c'est ce que j'ai dit, regarde. Et nous, les Africains, dès qu'on est face à une caméra, le mec, il rentre, ils montent tous ses habits, c'est trop. Ça, c'est. Devant les caméras, on est bizarre. Ça, c'est pas une création que t'as faite, ça. C'est moi qui a créé ça. Mais c'est Winnie l'ourson, c'est pas possible. Quoi? C'est Winnie l'ourson qui a tué. Hein. Non, je parce que j'ai pas causé de marque à gna gna. Non, mais là, il y a Winnie l'ourson sur la sacoche. Il a pas déposé la. Winnie l'ourson. Oui, you know, ouais, parce que c'est l'esprit. Il comprend pas, mais c'est l'esprit Winnie l'ourson. Ouais. Ok. Ouais, c'est l'esprit. Il est pas rigolé, non, il est malade, c'est cool. D'accord. Toi, t'es pas prêt de grandir. Hein. Non, je suis. En fait, c'est terminé, toi. Toi, t'as un gosse pour toute la vie. Je vois le comportement que tu as là. Ah ouais. Ça m'a pas l'histoire des claquettes, moi. Ouais, apparemment, j'ai vu, ouais. De Spi, il y a un mec qui m'a dit Gellek, nous les Africains. Ah, Smahli, je suis pas africain, c'est vrai, je suis nord-africain. C'est une dinguerie. Bah, il y a Youssef, il a dit Gellek, nous les Africains, Zama, on l'est pas, Zama. On l'emmerde, Youssef. Oh, Youssef. Satané, Youssef. Où tu es, Youssef? Ah, le truc avec le Winnie l'ourson centré, ça me rappelle quoi? Tu te rappelles de l'histoire du gars qui avait. De l'Iskander, quand il avait sa claquette. Normalement, il était en Tunisie, donc il est tunisien, il a acheté une claquette Adidas. Ouais. Il marche sur le sable, genre tu vois, il va à la plage, il marche sur le sable avec ses claquettes. Il voit dans le sable, il y a écrit Pokémon sur la trace de sable. Et là, il relève sa claquette, il voit écrit Pokémon en dessous du Adidas, frère. C'est quoi? Ouais, ça fait, Samy.
Non, c'est pas ça la vie normale. Hein. Ah, comment ça? La vie normale, c'est travailler, pas sortir jusqu'à 5h du matin. Non, je travaille, je sors pas jusqu'à 5h du matin. Bah, si, ouais, elle a dit. Juste, je sors quand je veux. Oui, mais j'ai pas d'heure pour rentrer quand même. Bah, on a compris, oui. Voilà. et tu ramènes des meufs ici? Non. Non, jamais. Non. Hein? On est en famille, là. Bah voilà. Ouais, enfin, j'espère la famille. Ouais. On n'a pas besoin. Quand même. Ouais. Mais gros. T'es sûr? Bah ouais, demain. Ah ouais? Il a déjà ramené des copines ici ou pas? C'est vrai? Oui. Mais t'es un menteur, hein? Dans la maison, mais pas dans la chambre. Et ça t'autorise, et tu autorises ça? Ah, ouais, j'autorise. Viens voir là, viens voir. Devant ta soeur, tu fais ça? Non. Devant ta soeur, donne-moi ton oreille, Non, ne me taquine pas. Faut que tu l'interdises, Awa, faut que tu t'imposes. C'est pas normal. Non, c'est pas normal. Mais t'es malade avec ta soeur, tu ramènes des meufs? Ok, laisse tomber là. Ouais, ok, laisse tomber, ouais. Il est fou, lui. C'est lourd de vivre en famille encore, moi, je trouve. J'aime pas le délire, on a une famille directement se séparer. L'autre il va à Mulhouse, l'autre il va à Strasbourg, je sais pas où, frère. C'est pour ça que c'est bien le bled. Grosse maison familiale, tout le monde se pète toutes les semaines au moins. T'es mes potos, t'es mes potos. Oh là là. C'est quoi ce détritus là qui s'est levé? Oh là là, c'est quoi ce gros tas de déchets? C'est moi, je crève, un tremblement de terre, j'ai des déchets bougés. Non mais c'est quoi ça? On ne me fait pas un bouffé des ébouffés. Mais s'il vous plaît, mais c'est pas comme ça? Mais Niro. C'est pas comme ça. Et c'est notre quoi, frère. C'est quoi? On peut me filmer. Non, mais non, moi Là, je comprends pas. C'est l'interview là? Mais c'est passé quoi là pendant 10 secondes? J'ai rien compris. Il y a un gros tas de déchets qui s'est levé. C'est vrai? Ah ouais? Et ça, c'est quoi? Merci, c'est ça pour le seul. C'est la concurrence. Je parle pas à la concurrence. Quoi? Parle quoi? Non. C'est en exclusivité. Non, tu connais Omodun Diagoré? Je sais. Le travail, c'est moi. Depuis avant toi, il ne faut pas de mal. Nous, tu es notre papa, tu es notre fans. Mais attends. Azide, mon coin manipulé. Dans un lutte sénégalaise. Il n'y a pas un bombardier. Je veux faire, m'a ouaké d'oam. Ah, il peut mettre des coups là, lui. Je ne veux pas sénégalais. Je suis choqué. Je ne même pas, frère. Moi, j'ai pas voulu faire ça. Il faudra venir, vous parler avec le directeur, l'artiste en personne. On vous donne la liberté de jouer certains rôles. Nya, nya, ça. Mais si vous venez comme ça. Mais je vais prendre des nyam de pierre à vous couper, Roland. Mais je vais déconner comme un moto. Moi, je suis d'accord avec toi. Bon, enchanté en tout cas. Allez, viens là. On s'est pas compris. Toutes nos excuses. Mais il a une sécurité avec lui. Il y a eu une incompréhension. Vous faites la paix? Serrez-vous la main. Serrez-vous la main. Ousmane. Faites la paix. À la rue Gilles Ferry. Ouais. Quand on a brûlé l'atelier, à 6h du matin, c'était moi. Quand j'ai posé des bois à la caille, à 6h du matin, parce que j'ai bu beaucoup de gin, beaucoup de vodka, et je suis venu, j'ai brûlé la caille. Ici au Sénégal, toutes les gens qui travaillent sur le recyclage vous connaissent. Bon, parce que tu es notre idole. Parce que. N'en fais pas trop non plus. Ouais, c'est notre idole. Hein. C'est en train de partir. Hein, parce que le travail là, c'est moi. Quel est le projet là? Bon, le projet, ça. Voilà, je peux pas dire. Sensibilisation. Même moi. Ça, de quoi? Bon, ça. C'est un concept qui sert à sensibiliser les populations. Mais sur quoi? Sur l'insalubrité. Ah ouais? Les pires, c'est qu'ils sont pas fous. Hein. Ils parlent bien et tout. Voilà. Mais amusez un peu. Ça parle de l'environnement en général. Ouais. Franchement, la cause, elle est noble, la cause, ouais, tu vois. C'est ça, j'aime bien. J'ai un texte avec ça. En français même. Ok. Si tu veux, on peut le faire. Même c'est comme en Afrique, on s'en fout de. Tu vas le faire et moi, je vais. Tu vois des détritus partout, cousin. Parce qu'il n'y a pas des mecs qui sont payés à ramasser. Science sans conscience n'est qu'une de l'âme. Oh là. Un esprit sain dans un corps sain. Moyennement. Mais un corps sain dans un environnement sain. L'homme est un animal faux. Mais se passe quoi là? Et pourquoi il y a un tas de déchets qui nous fait une poésie? Voilà, montez de genoux. Regarde, d'un coup, il y a un combat. Allez, montez de genoux, retour. Hein. Ils sont la scène voilà, comme ça voilà, en bas lui. L'attitude, voilà. C'est quoi ce white privilège là? Pourquoi mais. Lui a perdu le match à cause de moi, c'est sûr. Il avait pas les caméras qui me gagnent. Après, tu pars. J'étais là-bas. C'est bon. Des bâtards, ils ont dit c'est l'esprit aussi. Wesh, pas ça, t'as pas vu la planète. Et quoi? Mais moi, il a fait quoi pendant que je tournais la tête? Allez, vas-y. Wesh.
Non, je suis pas d'accord. C'est un blanc qui s'accuse, il fait ce qu'il veut là. Animal. Qu'est-ce qu'il veut, la poubelle là, voilà. Mais l'homme ne doit pas ignorer une chose. Qu'il tient un fusil à double canon. L'un sur sa cible. Mais l'autre sur lui. L'homme a visé. Et mortellement blessé la nature. C'est une pièce de théâtre ? Mais oui. Mais lui, à gauche, si la nature meurt. Ouais, à gauche, il est grave réceptif. C'est du slam. C'était du slam ? Ce que j'ai fait, c'est du slam. Stylé. Il a dit, il a dit, machin, moi ? Écoute-le bien. Et mortellement blessé la nature. C'est une pièce de théâtre ? Mais oui. D'accord. Si la nature meurt, l'homme meurt. C'est du slam. Ah, c'était du slam ? Ce que j'ai fait, c'est du slam. Ah ouais. Stylé. Non. On dirait. Ce que j'ai fait, c'est du slam. Stylé. Eh, c'est trop. Eh, il veut faire ce qu'il veut, frère. Du tambour, coacher les mecs, leur mettre des coups de pied, les interviewer, rentrer chez eux. Non, c'est vraiment vrai. J'aimerais bien faire des mots de départ. Alors, quand vous m'achetez au marché, vous me mettez dans les bibelots, dans les tables, mais après les usages, vous me lancez dans la rue. C'est pourquoi je me suis habillé comme ça. Je m'appelle Jack Boubara, la femme exemplaire. La femme exemplaire ? Oui. Ah, merde. Pourquoi la femme exemplaire ? Parce que les. Ouais, ça va me vanner, je sais pas faire, ça va dire que je suis un faux rebeu. Vas-y, fais. C'est comme chérie. Je peux en faire, frère. Je sais faire, toi. Je vais faire un bocal, je pense, mais vas-y. Je sais pas où je l'ai. Attends, mon frère, il m'engueule. C'est quoi ça? Ah, tu vois une daronne rebeu dans les mariages, je comprends pas ce qu'elle dit, je suis. C'est quoi ce live de merde, là? Je sais pas, frère, désolé. Voilà. Oui, il y a une poubelle, il y a Hamza, il fait de la derboka, il... C'est qui la daronne rebelle qui fait ça? Moi, je connais pas, moi, par contre. Arrête, ma gueule. Zama, c'est jamais arrivé sans raison. Il y a une grosse daronne, des gros mollets, des gros triceps. Elle a commencé à se mettre devant tout le monde, à taper des talons. Non, frère. Oh, putain. Mais Maria, c'est pas comme les tiens, pardon. J'ai une daronne qui fait un yu-yu, ouais. Merci, le mec, pour le sub, là. C'est jamais arrivé, Zama. Des fois, comme ça, sur les mariages, ça fait une ronde. Et tu sais pas pourquoi tous les blédards, enfin, tous les chambres, je suppose, tout le monde, on fait quoi? On prend nos habits, et Zama, on les frotte entre nous. Et après, des fois, on fait l'appel aussi en guise de danse. Oh, ça danse pas chez toi ou quoi? C'est quoi ce mariage? Vous êtes tous comme ça, bande de chevaliers. Zama, des fois, ça fait l'appel. Mais je rêve, voilà. Comment ça, t'as trop de. Wesh, c'est un mariage rebelle ou quoi, frère? Bah, ouais, dans mes mariages, je fais pas ça, frère. Dans mes mariages, pourtant, on fait des trucs bizarres. Hein. Il y a des meufs qui se mettent sous vibreur pour danser. Il y en a, ils sortent des carabines et ils tirent avec, mais on fait pas ça. Zama, vous avez vu la danse où des mecs ils se collent, ils font une ronde et ils se frottent, Zama, le t-shirt comme ça. Et le truc de la pelle, je suis sûr que tu l'as déjà vu le truc de la pelle. Je sais pas pourquoi, vu qu'on sait pas danser, on fait des trucs de merde. On prend une pelle, on fait Zama en creuse. Moi, pour danser les miens, juste ils écartent les bras et puis ils avancent, ils marchent. Pour ils, ça. Ils baladent, ouais. Ils écartent les bras. Sinon, on fait une ronde et on attrape un mec au hasard, on met au milieu, on commence à faire ça et le bâtard il va danser. Ah non, ça casse les couilles ça. Ça casse les couilles. Mon daron, il aime trop me mettre au milieu alors que je sais pas danser. Il dit, allez, vas-y, viens, il me lance dessus, gros. Shibani Dorpia, Shibani Dorpia. Ah, Shibani Dorpia. T'es d'où, Hamza? Kenitra. Il y a Kenitra, il y a vraiment des mariages à chier. Ta gueule. C'est marocain traditionnel, frère. On a les meilleurs mariages. Mec, il veut créer la fitness sur tout et rien. Bah, on a des meilleurs mariages, frère. Ça veut créer la fitness sur ça, là. Ah, t'es dire que je suis un shit, wesh. Ah, t'es dire que je suis un shit. Oh, oh. Oh, voilà. Wesh. Arrêtez, les gars, wesh. Ça va pas ou quoi? Mais j'aimerais bien voir. Je suis intrigué, là, par le frottage de t-shirt. Ah les gars, arrêtez de dire ça.
Mais les gars, c'est-à-dire que je suis un shit. Je préfère qu'on se mette qu'on me dise que je suis un shit, frère. Nouveau mot ban, frère. Allez, nouveau mot ban, voilà. C'est banni. Voilà, bien joué à vous. Un mec, il a dit, je vais te retrouver en majuscule. Arrêtez, wesh. Hey, mais t'as vu parce que moi dans ma région d'origine, les mecs ils tirent avec la carabine au mariage. Ouais. Mais t'as vu, maintenant ils le font en blanc. Ah j'espère. Ouais bah avant il y avait des mecs qui faisaient avec des vraies balles. Jusqu'à qu'ils comprennent qu'un moment avec une balle perdue, la balle elle tombe ou quoi et là quelqu'un peut se la prendre et tout, frère. En plus c'est ça le fils d'eux, ils tirent sur le sol, mais genre vraiment à 3 mètres. C'est-à-dire la balle, elle peut exploser, ricocher, la balle, elle peut te niquer ta race. Putain, j'ai tapé sur Google danse marocaine mariage. Plus jamais je tape ça sur Google. Hein. Pourquoi? Putain, arrête, faut pas que j'en parle, frère. Il y aura un fétichiste, il va se faire plaisir de ouf, bâtard. Arrête, fais pas ça, frère. Arrête, enlève, frère. Mais attends, ça mettait quoi? Arrête, c'est des gros arabiens en petite tenue qui dansent. Arrête, enlève ça, frère. Enlève okay, tout de suite, arrête tout. Starfallah. Allez, on se fait direct. On se fait... Mais, t'as le déchet qui fait une poésie, là. On peut pas rester savé devant cette vidéo aussi, voilà. Mais dis pas, oui, d'accord, j'avoue, je sais pas react, ok. Voilà, t'es ma cause de nos conneries. Il y a un mec qui s'appelle Romain, il a dit, mais, vas-y, mais. Voilà. Mais que je puisse voir tes sœurs, mais... Moi, je vais bannir. Oh putain. Il a dû dire ça, ce bâtard, il a... Dans son tiroir, il y a un sauciflard, ma gueule. Il y a Chai qui vient du Maroc, qui écrit depuis là-bas, il m'a dit, mais passe un miste, c'est ça le bâtard. C'est bon, les frères marocains, il n'y a pas de soucis, je ne vais pas mettre. Je ne savais pas. Putain, en plus, il y a Romain qui a dit, mais allez, on ne met pas. Là, éduquer les enfants sur l'environnement et l'insalubrité. Je vois. J'aime beaucoup là. Ça, j'ai jamais vu en France. Hein. La lutte, c'est incroyable. Merci beaucoup. On va se revoir. Inch'Allah. On se lâche plus maintenant. On est deux frères, on se lâche plus. Li ci kanam raw li geut way li ci ginnaw gessu ko fay yo gauche li wala beug beug da bari te dole neew ñu wara yamale beug beug yi ak jëfine yu rafetul yi beug 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 les sensations pas mal c'est mon frère on est content vraiment le Sénégal et la France c'est une très longue histoire n'oublions pas que avant le Sénégal c'était l'Afrique occidentale française nos grands-pères ont débarqué ici pour aller en France lors de la première guerre mondiale pour secouer et aider la France. Donc, vous voyez cette image, c'est une image qui reflète beaucoup de choses entre la liberté, la fraternité, l'égalité et l'amitié entre la France. C'est pour ça qu'il faut mettre des caméras devant ce blé d'art, frère. Les gens... La bise, ma mère, faut pas mettre des caméras devant ce blé d'art. C'est bon ou pas? Voilà, c'est dit, allez. Non, mais là, non, mais il a raison, c'est beau, la liberté, l'égalité, la fraternité, tu vois, et tout. Mais pourquoi ils disent nos grands-pères ont débarqué ici? C'est déjà là, frère. Oh, moi, je disais, vas-y, frère. C'est... Les gars, faut jamais mettre caméra devant les darblés, ma gueule. Ah, jamais. Attends, j'espère que tonton Galsen, il verra pas ce live. Parce qu'il peut le voir. Il s'en bat les couilles. Arrête. Tant qu'on critique pas la Corée. Allez. Plus recycler. Parce que je dis que recycler n'est pas sorcier. Il est temps de recycler. Vous êtes meilleurs copains, non? Non. Un peu, hein. Lui, il ne me connaît pas. Mais moi, je le connais. Parce que je travaille sur ça depuis 2003. Je suis avec ça. 2003 J'ai fait du spectacle. Danse contemporaine. Je suis artiste comédien. C'est une petite danse, là. Vas-y. Moi, c'est mal, lui. Mais gros, Loris, quand il voit ça, il doit se serrer. Il doit être tout content, frère. Il doit se dire, c'est la l'œuf aux poules aux œufs d'or. Mais gros, il a dû dire, c'est pas. Et là, il a pensé qu'au montage, qu'aux vues, qu'aux Twitter, qu'aux RT. Mais t'es à quel moment tu tombes sur ça, frère? Putain, à quel moment tu tombes sur ça? Ça, c'est artistique, hein. Ne respire plus. Retends. On ne se voit plus. Et c'est bloqué. Mais comment ça se fait, ça tombe pas? On aurait pas mais j'ai l'impression que ça arrive quand même, frère.
Mais gros, je veux pas me dire qu'il va partir le chercher, ce mec. Avant la Sénégalité publique, Afrique occidentale française, l'or. Je t'en sais rien, toi. La guerre mondiale, cinéma, d'une France. Dem diable France, type l'Allemagne, Bégué Nord. Taï Abou, amna ma Mohamed Trailleur. Man, amna ma Mohamed Ancien Combattant. Taï Bougnoué, taï Bougnoué, taï Bougnoué, micro. Wachtane Kok. Comment ça va? Je suis le grand Mike. Ah, c'est toi le Open. Ah ouais? C'est moi, Ibongari. Ah ouais? Oh là là, c'est bon, on va arrêter. C'est quoi comme ces conneries? Comme tu prends le micro d'Arona, tu dis ouais. Raciste. Il faut que je donne de l'argent. Oui. Ah ouais. Toi aussi. C'est quoi? Je suis mort, Mourad. C'est quoi ce bandeau là? C'est obligatoire? C'est moi, oui. C'est obligatoire? Hein? C'est obligatoire. C'est pas griot. C'est pas griot. Il n'est pas griot. C'est pas griot. Aïcha, aïcha, aïcha! Argent? Oui. C'est quoi? C'est petit. C'est petit. C'est 1000 quand même. Hein? Non, 1000, c'est pas beaucoup. Pas beaucoup. 5000. Combien 1000? 2000. C'est bon? Voilà. Merci, merci beaucoup. Hein. Merci. Hein. Voilà, voilà. Merci beaucoup. Merci. Hein. Toi aussi? Ah, c'est 2 euros, frère. Je peux partir? C'est 1,50 euros. Mais comment un béni, ça peut être 1,50 euros, frère? Je me suis fait dépouiller. Hein. L'argent aussi? J'ai plus rien là. Tu connais mon boulot, tu es mon boulot, tu es chroniqueur, je suis chroniqueur, nous sommes des chroniqueurs, tu es chroniqueur, je suis chroniqueur. Tu vois, c'est les concentrales, ils parlent tout, tout le monde en voilà, nous sommes des chroniqueurs. C'est quoi un griot? C'est les anciens? J'ai plus d'argent là. Ah non. Allez, griot, je m'en souviens des sessions. Non, j'ai mon casque de poète musicien. Dépositaire de la tradition orale, ah ok. Merci beaucoup, tu m'as sauvé. Wow. Il faut me donner, il faut me sauver le chef, donne-moi. Ah, toi aussi? Oui, donne-moi. Et moi, j'ai plus d'argent là. Donne-moi, donne-moi. J'ai plus rien. C'est quoi ces grands? C'est quoi ces grands chefs bandits là? C'est Yakuza, chef sénégalais, ma gueule. Mais les gens au Sénégal, ils sont sénégalais, c'est très bon. Ils font qu'un effort. Comment? Le percussionniste. Quoi? Il faut vous donner passion pour le percussionniste. De l'argent aussi. Ouais. L'argent. J'ai plus d'argent là, je ne peux pas tout. Ok, c'est bon, pas mal. Merci beaucoup. Ça c'est bien organisé, je suis choqué. Merci. C'est quoi ces racailles là, voilà. Oh putain, il y a encore dans la poubelle là. Oh, il transpire, mais ce qu'il doit faire chaud, frère, dans sa poubelle. Comment le gros tas de plastique. Bah, tu t'arrêtes maintenant. Tu t'arrêtes. On va recycler. Tu t'arrêtes. C'est bon. Recycler, c'est pas souci. J'aime beaucoup ce slogan. Je suis un petit test et ça cause des archidons et tout. Ça, ça prend pour un vieux fou là-bas. Il m'a demandé de prendre la cagnotte. J'ai plus d'argent. Ah, pourquoi? J'ai tout donné à ton ami. Ah, pourquoi? J'ai donné à l'autre. Mais pas moi. C'est pas moi. Je n'ai plus rien. C'est pas moi. Mais donc, tu nous donnes les verres. Les verres? Mais c'est quoi? C'est progressif en plus. C'est quoi ce C'est quoi ce crime en bande organisée? Ça va mieux qu'à moi. Très beau gosse. Je crois que ce bois est incroyable. J'aime beaucoup. Je vais vérifier si la vue elle est bonne au moins, frère. D'avoir reçu des lunettes. Vraiment, ça me fait. Si je peux donner, je donne. Oui. D'accord, en fait. Beau gosse. Toi aussi, t'es beau. Toi aussi, t'es beau. Il est très beau. Hein? Il est beau. Il est beau. Il est très beau. Eh hey, vraiment il fait ce qu'il veut gros. Comment la police leur fait un câlin à la force, c'est un câlin à la police. Frérot, c'est demain je vais au Parc des Princes, je fais un câlin à la police, je me prends une marque, c'est un peu de mon coup de balle frère. C'est trop, c'est beau frère.
tu vas te faire laver à la gazelle. Tes mains, gros. Elle, gros, il est avec les ultras. Ça se trouve, c'est des mecs, ils sont vraiment passionnés. Tes mains, comment ils s'éclatent avec eux, frère. Attends, mais ça a juste sa mère, l'ambiance. Mais c'est bizarre, regarde. Là, avec les jeunes, etc., c'est en mode tranquille, bonne ambiance. Quand il allait chez les bus, il s'est fait raqueter sa mère. Est-ce que ça lui a pris ses lunettes? C'est dingue, ouais. Loris, c'est la Los Negres, il s'est fait voler ses lunettes. Il est sur le dos. Ouais, Renaud à gauche, Manu. Et là, il a pour la caméra, lui. Hein. Comment je célèbre comme ça, frère? Moi, je passe à la télé. Par contre, là, vrai de vrai, frère, pas besoin de niveau à ce moment-là, gros, c'est méthode qu'il ait quitté la Corée, qu'il veut pas aller au Sénégal, frère. Déjà, il a mis trois Renois qui lui ont enlevé leur t-shirt au Grand Rex, il a pété son câble. Là, il voit qu'il y a des Renois, il voit un Renois, il fait du château de l'eau, il a pété un câble, pas besoin, il va plus jamais revenir au Sénégal, gros. Allez. Jamais je mets la caméra. Hein. Remets ta personne, pardon. Remets ta caméra, ça. Me laisse pas seul. Mais laisse pas seul. Mais mets la vidéo là. Pardon. En tout cas, l'ambiance, elle tue sa mère, ma gueule. Ah, une bonne ambiance, hein. Des bonnes ambiances comme on est. Elle est trop bien, ce frère. Pas celle du pays de Timmy, tu veux pas s'arrêter, voilà. Moi, je fais quoi là? Dis-moi. Dis-moi, les carottes. C'est incroyable. On aime les émotions. Il a bouillable le vide, moi. C'est incroyable. Tu relâches, continue. Relâche pas. Après, ils l'ont levé, carré. Le dernier mot. Le dernier mot, je vous salue. Franchement, je suis très content. Tapine de la Haja. De vous voir. Merci. Mais je vous demande. Je demande à Dieu. De vous protéger. De me protéger à moi? Bien sûr. Et le monsieur là, ouais, et la dame aussi. Plus moi. Que Dieu vous protège. Mais un peu plus moi. Aussi, je demande à Dieu qu'elle vous donne beaucoup de santé. Un peu plus à moi qu'à eux, non? Pour vous tous. Ta gueule, Loris, là. Écoute la Haja, ma gueule. Si donner un peu plus de santé à quelqu'un ici, ce serait toi, plus que tes soeurs. Bah oui. T'es le meilleur, c'est le meilleur. Ça, c'est le meilleur. Toi, t'es le meilleur. Toi, je te l'avais dit. Ah, oula, pardon. C'est ça, deux de premier comme ça, le lion, le lion, le lion, le lion, le lion, qui sont en Italie. Celui de même, près de bonheur, près de santé, près de tout. Et ma petite soeur, elle est aux États-Unis. On va pas donner à tout le monde, mais il y a un plan. Ouais, mais aux États-Unis, ça va, hein. Aux États-Unis et tout le monde, je lui souhaite une bonne. Faut que tu fasses un choix. Ouais. On pourra pas donner à tout le monde. Ah, bien sûr. J'ai mis. Eh frérot, remets ce qu'il nous a fait là. Remets ce qu'il nous a fait, ma gueule. Il a frappé le lion, mais c'est de la lutte. Remets. Regarde, carrément, c'est le moment le plus revisionné. C'est pas pour rien, frère. Bah oui. Comment c'est? C'est le meilleur, c'est le meilleur. Ça, c'est le meilleur. T'es le meilleur. Regarde, fais pause. C'est le meilleur, toi, je t'avais dit. Déjà, regarde, il l'attrape, il met sous son bras, il l'attrape avec lui, il le colle, il le met un petit coup. Wesh. Putain, la tape là. On dirait mettre. Hey, il a fallu lui toucher le truc et lui dire. Comme mettre Henri dans Casse Départ, lui dire t'as gros sein. Ce qui prend un coup de haut. Wesh, mais c'est. Voilà, pour moi, ça c'est dinguerie de faire ça. Voilà que c'est dinguerie. Get l'aisance, Michael. C'est quoi cette aisance? Est-ce que tu vas voir un genre de foot? Tu vas voir un joueur de foot. Est-ce que tu vas aller voir le latéral gauche de Lorient lui taper l'épaule et dire toi t'es un bon joueur de foot? Non, mon meilleur sable, il vient de se battre, je lui fais pas ça, frère. C'est pas d'un coup, il va s'en tenir. Mais n'importe quel humain, je fais pas ça, frère. Mais c'est quoi ce comportement, ma gueule? On va se battre. T'es vraiment trop à l'aise. Hein. Mais c'est aussi pour ça que t'es vidéo. Ah, pardon. Il a dit pardon. Il a eu choqué. Les frères qui sont en Italie. Le mec,
Je lui demande plus de bonheur, plus de santé, plus de tout. Et ma petite sœur, elle est aux États-Unis. On ne pourra pas donner à tout le monde, Amir, hein, leur choisir. Ouais, mais aux États-Unis, ça va, hein. Aux États-Unis, et tout le monde. Tout le monde. Ah, c'est pour l'Amérique, là, aussi. Faut que tu fasses un choix. On ne pourra pas donner à tout le monde. Ah, bien sûr. J'ai ma petite sœur. Elle vit aux États-Unis. Ok, on laisse pour la petite sœur, là. Voilà. Mais l'homme. Mais tiens, j'aime vraiment trop ces vidéos. Hein. Putain, c'est quand on fait des vlogs? C'est quand on est assez riche pour faire des vlogs comme ça? Quoi, t'as rayonné quel argent en Tunisie? Bah ouais, moi je t'ai dit, moi c'est parce que j'aime bien ce qu'il fait, Loris. J'aime tellement les vlogs que tu me donnes un peu d'argent, je vais en vacances. Putain, la Wesh TV en Colombie. La Wesh TV au Japon. La Wesh TV à Séoul. Je crois, elle est plus de Séoul. Mais je suis sûr, j'en reviens carrément là, je suis sur le choc, j'en reviens pas, je suis choqué, je suis ému, je suis débordé, je suis déboussolé, je suis. La vidéo ? J'arrive pas à croire que il est venu à taper un mec comme ça. Oh là 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 là. À deux doigts de dire son. En gros, ça choque ma gueule. À deux doigts de dire son prix, frère. C'est quoi ce truc de race ? C'est quoi ce truc de race ? C'est cette aisance. Non mais oh là, c'est trop une aisance de. Pour moi, cette aisance là, c'est une aisance de baiser, wallah. Ça sert là, je mélange des mots qu'il faut pas avec le. Mais je te jure que c'est une dinguerie faire ça. Ouais, tu vois, tu le prends dans tes trucs, tu le tournes. Ouais, je crois, calme-toi, ma gueule, c'est doucement. Je suis pas choqué que par ça, alors que quand même, il a quand même une poubelle humaine qui dansait, frère. Mais frère, il est trop à l'aise avec les Renois. Ouais, c'est... Non, ouais, il est à l'aise avec tout le monde. Ouais, non. Après, moi, j'ai vu que les vidéos avec les. À un moment donné, il y a une vidéo avec un Renois, il fait la prière, il se met à côté. Là, le Renois boxeur, il le prend dans ses bras, il le tapote. Ouais, je fais beaucoup. Calme-toi, j'ai vu une vidéo de lui en boîte de nuit, où genre il était dans les boîtes de. Tu l'as jamais vu prendre un français à Châtelet le taper comme ça? Mais bon, ouais, il a vu, il était de brancher une meuf et qu'il y avait son mec juste à côté. Je sais pas, je suis aigri. Elle allait l'embrasser. Et c'était des blancs. Je suis aigri, les mecs, j'abuse ou bien. Ouais, t'exagères. Je sais pas, ma gueule. Moi, je vais au Sénégal. C'est pour les. Je vais pas au Sénégal pour tout frère. Comme ça, frère. Voilà, c'est un baiser, lui, frère. Lui, un peu de respect, ma gueule. C'est comme si on va à la Cody. C'est comme si on va à la Cannes. C'est où la dernière Cannes? C'était en. Ah, arrête de faire le mec comme ça, là. Arrête de dire qu'il fait des choses. C'est vrai, il rien, frère. Wesh. C'est comme si j'allais à la Cannes en Cameroun, j'ai des snaps et je croyais des Renault avec moi, je vais regardez, je suis en public. Mais non, mais là, c'est l'ambiance, c'est le vainqueur, frère. Non, ouais, bien sûr. Non, mais l'ambiance dans la tribune, ok. Mais ouais, en tout cas, avec le combattant, moi, je le vois en bizarre, ma gueule. Non, j'avoue que c'était bizarre, ce truc que faire, le combattant, il allait niquer sa race, frère. Mais c'est ça, il n'y a rien de haut. Arrête, frère. Ok, désolé, les mecs, pardon. Désolé, les mecs, je suis tellement Africa United. Quand on fait un truc comme ça, mes frères, ça me fait mal. Y'a rien à les faire, c'est kawaiiné. C'est juste que voir toute cette foule, pour l'ambiance kawaiiné, c'est pas terrible, tu vois. Pour toute cette ambiance. Non, c'est pas la foule qui me dérange, la foule c'est trop stylé, même moi j'aimerais bien être à sa place dans la foule et tout. Mais là, moi c'est vraiment la face du boxeur là. Mais est-ce que tu penses qu'il a une sécu, frère? Pour moi, comme la manière dont il est à l'aise avec tout le monde, il doit avoir une sécu de baiser, non? Pour moi, il en a pas, hein. Pour moi, c'est juste un con, frère. Parce que des fois, ça arrive qu'il y a des mecs qui s'énervent avec lui et genre, tu sais, il s'écarte et tout en mode peur, en mode oui c'est bon pardon j'arrête. Ça lui arrive tout le temps frère, en même temps il fait que des phases de con frère. Mais les boîtes de nuit, non j'ai pas les boîtes de nuit. Parce que cette vidéo en plus je l'ai déjà vue. Et vas-y, on va pas voir dans le créer, on va regarder 25 minutes de gens qui sont alcoolisés et le risque qu'il fout la merde avec eux. Je suis mort son, HDP son, arrête. Il y a juste lui et son équipe je crois. Harry il y a pas 2-3 Blanco Whiteos de 2m50 derrière lui. En tout cas, c'est un bonhomme. Hein. Franchement, c'est un bonhomme. Hein. Après, il sait si le truc s'appelle buzz. Il est quelle origine, Andy? Il a une tête algérien, italien, ouais, Ashkenaz un peu. Il est italien? Ouais, exactement italien. Ça se voit. Ça se voit que ça se voit vraiment, frère.